Bonjour Internet, bonjour mes petits canards, j'espère que vous avez la forme, la pêche, la patate. Moi je l'ai, les amis, je vous retrouve sur Guild Wars 2, suite de mon let's play, mes petits bouchons, mes petits canards. Et vous voyez que je commence directement, parce que je suis un dingue, par le donjon tonnel du Crispuscule. Effectivement, en dernier épisode, j'avais fait le manoir de Codecus, histoire que je n'avais toujours pas fait. Et là, je me lance sur tonnel du Crépuscule avec un gros pick-up hein, que je viens de rencontrer. Alors nous avons un autre ingénieur 52. Il faut les baisser au niveau 52. Nous avons un nécromant, une nécromante d'ailleurs, moi-même ingénieur. Qu'avons-nous d'autre? Allez, encore un lâcheur du lion. On a un élème et un guerrier, forêt de Calédon. Hop, on va essayer de les presser un petit peu. Enfin, les presser gentiment. Let's go, team. Bref, voilà. Me voilà sur la ténèbre du crépuscule. Il en manque un petit dernier qui va arriver. On va essayer de se faire ça gentiment. Alors, moi, c'est un donjon que je n'ai jamais fait. Enfin, sûrement si, j'ai déjà fait. Mais il y a tellement longtemps que je ne m'en souviens plus. Donc, on va essayer de se faire ça tranquillou. Ah, puis d'accord, le dernier, l'élémentaliste, est en train de vider ses sacs, hein. I just need to empty my bags, then I'm already, motherfucker. Donc oui, il vide ses sacs et puis il arrive. Ok, on va patienter 2 minutes. Alors je rappelle que en parallèle de Let's Play de Guild Wars 2, vous pouvez retrouver sur la chaîne Casamania, bien évidemment, un Let's Play sur Tezo, un Let's Play sur WoW, un Let's Play sur Blood and Soul, un let's play sur Robocraft et bien sûr d'autres vidéos comme par exemple Minecraft, Heroes of the Storm et plein d'autres. Voilà, et puis les découvertes du moment. Donc nos soucis, nos problèmes, il y a de quoi faire ici. Si vous êtes bien, installez-vous, restez là, abonnez-vous aussi, un petit pouce bleu, pourquoi pas, hein, c'est toujours plaisant. Et puis n'hésitez pas à faire part de vos critiques et réactions, commentaires sur les vidéos, hein, y a pas de souci, je lis tous les commentaires, hein, chose très importante, je trouve, lire les commentaires, répondre aux commentaires, savoir ce qui se passe dans le monde, c'est bien aussi. Donc j'attends toujours l'autre neuneu là, notre LM, je sais pas ce qu'il fait, il doit en avoir des gros sacs lui, il doit en avoir des gros... Comment dire, on va essayer de rester poli, il doit avoir des grosses bourses, des bourses pleines, voilà. Il a des bourses pleines, il faut qu'il aille vider les bourses chez le marchand. Ah, j'aime être un poète. Alors oui, on a aussi la nouvelle fonctionnalité avec la mise à jour qui était passée le 16 mars 2015, c'est la caméra. Hop là, caméra première personne. Hein. Ah oui, c'est assez impressionnant, je ne me rendais pas compte que j'étais aussi petit que ça, je me sens... Ah non. Alors j'ai pas l'impression que la caméra se met au niveau de la tête, hein. Elle se met plus au niveau du torse, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle doit se mettre à ce niveau-là. Là où j'ai mon petit médaillon. Parce que je me sens plus petit que je devrais l'être. Donc, qu'est-ce qu'il fait notre LM? Il est bien rigolo, là. Mais on peut pas quand même pas l'attendre pendant 5 minutes. Ce qui commence à être un petit peu long. Alors, la tunnel du crépuscule, de quoi ça parle? Je ne sais pas. On va voir ça. Ok, I'm on my way. Donc, il arrive, ça y est. Notre petit LM arrive. Il arrive, il court le furet. Il arrive, maintenant faut qu'il charge. Le v'là, ça y est, donc encore un Sylvari, donc c'est toujours les Sylvari qu'on attend, c'est les pires. Alors, allez, on va lancer la petite vidéo, j'imagine. Rassemblez votre groupe, nous devons nous mettre en route rapidement, nous sommes prêts au travail. Nous n'attendons plus qu'une personne, encore une, très bien. Case, désolé d'être en retard. Fou. Oui. Ah, Ritlock, Logan. Ah, petite vidéo, alors oui, comme je suis le seul à regarder les vidéos, je vais me faire encore engueuler. On va essayer de passer vite, ravi de voir Logan. Nous allons commencer. Saleté de plante verte. Vous n'avez jamais dit qu'il serait là. Je l'ai convié. Pour contrer Faolaine, j'ai besoin de vous tous. Vous avez un compte à régler avec cette Faolaine? Faolaine appartient au premier-né, mais elle est devenue puissante et mal intentionnée. Dans notre jeune âge, nous avons voyagé ensemble. Et sommes devenus très proches. Face aux ténèbres, j'ai su résister. Mais Faolaine a cédé à leur emprise. Elle pousse les autres à commettre des actes inqualifiables. Sans aide, je ne peux rien. J'ai besoin... Plus question. J'ai fait ce que je devais faire. Allez, on va passer parce que sinon je vais faire trop attendre les gens. Ok.
Ok, donc Folaine, la Mylène Folaine, elle est pas belle, elle est méchante, elle est maléfique. Aventure, me voilà. Et maintenant, faut aider. Eh les gars, derrière vous, on se réveille, bande de neuneux. Eh les gars, oh, c'est le bordel ici. Oh. Bon, bah écoutez, j'ai un peu l'impression de rigoler tout seul. Hein. Alors, Folaine, la méchante Folaine, il faut l'arrêter. Elle sème le trouble, elle sème la pagaille. C'est une vendue, hein. Oh. Elle est pas cool. Donc Keith est déçu, bien évidemment. Ça se comprend. Elles ont peut-être fait des choses ensemble inavouables. Bon. Après, ça, c'est une autre question. Et bien sûr, nous avons avec nous Logan et Ritlock qui ne peuvent pas se blairer, hein, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Sauver les prisonniers Silvery. À mon avis, ça va chier des bulles, là. Merci de m'avoir sauvé. Pitié, c'est magnifique. Oui. Ah, qu'est-ce qu'il faut, lui? Ah oui, là, ça va chier des bulles. Ok, d'accord. Score. Alors, nous avons donc les initiés des cauchemars élites. Donc les méchants, hein. Les méchants babos. Hop, j'ai fait un petit coup de soin là dans le coin. Voilà, parce que je vois que l'autre ingé il a un peu de mal. C'est un ingé quoi, bouclier, pistolet. Et il joue pas tourelle, il doit peut-être jouer fiole, je ne sais pas. Ça c'est à qui la tourelle? C'est à lui, si, si. Il a une tourelle de soin du moins. Bon, on va continuer, hein. Ça a l'air pas trop mal parti tout ça. On a un bon groupe, encore une mort, enfin en même temps. Bon, c'est que le début, hein. Mais c'est vrai que les donjons dans Guild Wars 2 sont généralement un peu plus badass, un peu plus difficile, je trouve, que les donjons dans d'autres MMO, hein. Bon, déjà on n'a pas la Trinité, ce qui change un peu la façon de jouer, tout de même. On se dise. Ah. Encore un mec emprisonné à se libérer là-bas. Bon, ça fait du petit loot, ça fait du pex, ça fait de l'histoire. Ça devient sérieux. Ah, mais il semble qu'il y a encore un autre donjon niveau 60 que je débloquerai. Je ne veux pas m'avancer parce que le PVE ça n'a pas été ma tasse de thé. Oula, qu'est-ce qui se passe? Mais je pense que si, il y a quand même un autre donjon qui va débarquer. Niveau 60. Pour l'instant, ça se passe très bien avec mon équipe. Hein. Je sais même pas d'où ils viennent. Ça se trouve, c'est des Français, mais on parle tous anglais. C'est ça qui est rigolo sur ce jeu. Les serveurs européens. Oh, les méga serveurs. Ouais, tu précises. Ah là, attention. Tuer la reine des araignées. Allez hop. On va déjà se faire la reine des araignées. En mode déglingos. On lui cramait les fesses. Pour l'instant, on est bien parti. Donc très plaisant cet ingénieur tourelle. Du moins un donjon, hein. C'est très rigolo, moi j'aime bien. Hein. C'est sympa, on pose ses tourelles. On fait un DPS constant, un assist, un peu d'huile de temps en temps, tout ça, tout ça. J'aime beaucoup le principe, le concept. Après c'est vrai que on peut pas vraiment jouer tourelle en solo, hein. C'est moins drôle. Ça dépend pourquoi faire, c'est toujours pareil. Hop. Forme une bonne équipe. Je ramène tout ça. On peut se passer de Ritlock. Non. Non. Sans lui, nous serons trop faibles. Oh non, tu vas pas foutre Ritlock dehors. Vous avez déserté. Encore cette histoire. C'est digne de Ritlock, pas de vous. Je ne suis pas un lâche. Je ne suis pas un héros. Oh là. Débrouillez-vous sans moi. Oh dis donc, qui est susceptible celui-là, princesse. Bon bah Logan il se barre. Avec mauvaise humeur. Mon destin va éclore. Ah, petite vidéo, je vais faire patienter tout le monde. What happened? Là, elle chante. Bonjour ma belle. Je vois que vos amis vous ont abandonné. Quel effet ça fait? Faolain, il est temps de mettre un terme à cette folie. Oh, elle est pas belle Faolain, on voit qu'elle est méchante. La seule folie ici c'est vous. Vous êtes avec eux au lieu d'être ici à mes côtés. À votre place. J'ai changé. On verra ça, ma belle.
On verra. J'ai ici trois de mes champions. J'ai hâte. Ok, donc trois champions à battre pour aller jusqu'à Fallen apparemment. Vaincre la première championne. Donc j'ai hâte de voir à quoi ressemblent les champions, ça va être les boss du donjon tout simplement. Vaincre la première championne de Fallen. Donc elle est devant, là-bas, dans la pièce d'après. J'espère qu'elle va pas nous avoiner trop fort. En attendant, je dis bien les bonhommes. Alors, on va suivre tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Détruire les efflorescences de sorts. C'est ça? Ah merde, y'a du monde. J'ai peut-être un petit peu avancé sans trop réfléchir. Eh oh, touche pas mes tourelles toi. Non mais. Villain bait. Voilà, viens par là. Je te fais un petit kite, tranquillou. Hop, là on est très bien. Coup de soin. Hop, tu vois quand tu veux. C'est bon, on a vaincu les efflorescences de machin. Bah dis donc. J'ai l'impression d'avoir rien fait, mais je n'ai rien fait. Hop. Allons-y vers la première champion de Fallen. 1 sur 3. Avec Girden the Ingénieur, The Enanejar et Surur. Sukuk Surur. Hop. Alors, il s'appelle Sariel. Oui, il ou elle. Il, je pense. On va voir ce qu'il a dans le ventre. Secouez-vous. Allez, c'est parti. Alors qu'il y a Fallen qui arrive dans son dos. Posez les tourelles. Petite tourelle de soin par là. Hop. On sait pas le boss tout de suite, les gars. Attendez que je vois ce qui se passe. Ma première championne. C'est une fille. Elle a l'air méchante. Je la connais. Elle est indigne de votre grandeur. D'accord. Oh, Faolain, qu'avez-vous fait à cette pauvre fille? Je ne suis pas une fille. Je suis l'élu de Faolain. Vous voyez, vous remplacer fut assez simple. Ok, donc faut lui exploser les dents. Hein. Donc c'est une méchante. Elle distingue les ennemis. Ça veut dire quoi ça? Je sais pas, mais. Pour le moment, ça a l'air bien parti. Elle a pas l'air de faire trop de quoi. Ça va être, je pense, très easy. Hein. Easy. Floup. Je prends un DPS constant. Sympathique pour le moment. Mes tourelles sont toujours OP. Je s'occupe pas de mes tourelles, donc moi, ça m'arrange. Ah, on va faire un petit écran de fumée là quand même. Voilà, un petit soin pour tout le monde. Hop. Ah, il y a un collègue au sol. Il est où? Il est passé où? Je l'ai vu. Il est où? Oh, bah, il reste direct. Par contre, j'ai ramassé ma tourelle de temps soin, chose qu'il ne fallait pas faire. Hop. De toute façon, là, je pense que la fameuse Sariel, là, elle a fait sa maline. Il n'y avait pas de quoi faire la maline. Allez, va. Coucher. Ça, c'est fait. Facilement. Petit coffre. Allez, à la suite, les amis. Deuxième champion de Fallen. Je ne connais pas. Ah, on passe sous l'eau cette fois-ci. Combat sous-marin, c'est pas le truc que je préfère. Donc je vais essayer de tracer un peu. Oh, j'ai pas d'élite, tiens. Sous l'eau. Faut que je. Que j'en place un dans ma barre sous-marine, tout de même. Lac de la peur. Alors, oula, oui, là, par contre, si on aggro toute la map, on est comme des cons. Oui, bah, on est comme des cons. Allez, on va faire nettoyer, les gars. Hein. Sinon, on va pas y arriver. Hein. Alors, lac de la peur. Il y en a encore deux derrière là. Faudra les poules s'il vous plaît, sinon ils vont nous embêter. Ah, merci. Merci d'être actif. Why don't we escape them? Pourquoi on ne les passe pas? Je ne sais pas. Bah, parce qu'on les a gros, hein. Écoute. Derrière les copains. Oh oh. Oh. Non, ils veulent pas. Non, ils veulent pas. Bah, il va être obligé de revenir, hein. Va falloir se réveiller, les doudous. Non, bon, on se barre, c'est ça? Bon, on se barre, écoute. On va le pull jusqu'au sur toute la map, hein, écoute. Hein. C'est pas grave, hein, vu qu'ils ont pas vu que c'était le bordel. Du coup, il y a Kess qui fait la neuneu derrière.
Ah, ils sont fiers. Je me demandais pourquoi ils partaient comme ça dans tous les sens. Non, c'est juste un fier. Hop. Ah bah, finalement, on l'a ramené jusqu'au bout de la map. Hein. Il est là, l'autre, tout à l'heure. Ah là là, je vous jure. Oula, qu'est-ce qui se passe? Vaincre le deuxième champion de Fallin. Faire repousser le pont Silvari. L'eau de graines 1, eau de source. Ouais, bon, je vais suivre les Gugus. On va aller trouver des graines et de l'eau de source et de l'engrais aussi. Ah oui, d'accord, c'est des trucs à ramasser, voilà, ici. Donc, 4 points de la map. Ça n'a pas l'air bien compliqué. Hop, à moi l'eau. Prenez cette eau. Voilà, on a l'eau de source, les copains. Barrons-nous d'ici. Donc il faut faire repousser un pont pour pouvoir passer apparemment sur le boss suivant. Intéressant comme concept. Alors moi j'ai l'eau de source. Maintenant on va aller tout droit ramasser le lot de graines. Ou l'engrais, je ne sais point encore. Je vais suivre les gros durs là, eux ils savent. Hop là, attention. Qu'est-ce, elle reste en plein milieu de la map, genre no stress, il se passe rien. T'inquiète, t'inquiète, t'as vu. Ah, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Oula, où est-ce qu'ils vont sous l'eau comme ça? Bon, bah écoutez, je vais les suivre sous l'eau parce que je ne sais pas ce qu'ils font là. Hé, hey, tu m'embêtes toi. Tiens. Poisson muté. Ah, bah ça va être là l'engrais. Sur l'énorme poisson. Ah, alors là, il va falloir que je gère mon combat distance que je ne connais pas. Tourelle. Je peux mettre des tourelles toujours, ce qui est bien. Un exilir H pour me soigner. Alors, qu'est-ce que j'ai comme compétence? Parce que là, je fais le malin, mais je ne sais pas. Tir auto-guidé, un tir qui se dirige vers l'ennemi. Lance une volée ennemie d'attardement. Ouais. Vous battez en retraite tout en lançant une ligne de saisie à votre ennemi pour l'attirer ensuite. Ouais. Tire sur votre cible une charge de retardement qui inflige brûlure aux ennemis pour se limiter quand elle explose. Très rigolo. Et un lance-pilé pour. Voilà. Pour mettre. Voilà, pour ralentir une cible. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ah, il y a un copain qui va être au sol. Non, c'est bon. Ah, on a looté l'huile de poisson. Très bien. J'en profitais pour mettre, voilà, mon élite. Chose qui n'était pas faite. C'est rigolo, les tourelles dans l'eau. Elles flottent avec un petit ballon. Très sympa. Et maintenant, oh bah on a tout. L'eau de source, les graines, l'engrais de poisson. Direction de caisse, on va lui donner tout ça à Kekes. Elle va nous faire pousser son petit merdier. Maintenant que nous avons les ingrédients, je peux lancer l'enchantement. Allez, vas-y, enchante. Les Azura adorent le golem, mais je préfère une approche plus naturelle. Oui. Ça devrait marcher, en avant. En avant, oui. Et ben non. Voilà. Oui, c'est chouette son truc. Bon, c'est un peu un pont OGM. Hein. Et ça marche, oui, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Deuxième champion. Brangoire. Allez, on va regarder la petite vidéo. Vous avez malmené la pauvre petite Sariel. Voyons ce que vous donnerez face à Sire Brangoire. Chevalier de l'horreur. Je ne suis pas l'un de vos cobayes. Nous étions sœurs. Je sens sa peur, Dame Fowlain. Et je m'en régale. Mais... Ok. On va lui montrer qu'on est digne de lui casser les dents. Ah bah merde, je pensais être le seul à regarder les vidéos, pour ça que j'ai passé un petit peu vite. Et bah non. Et bah non. Et bah je vous dis qu'on va le cramer facilement. Parce qu'on est des fous. Parce qu'on a une très bonne équipe. Parce qu'il y a Kazamania dans l'équipe. Et quand il y a Kazamania dans l'équipe, on ne peut que être des déglingos. On peut que gagner. Ah par contre lui, il fait pop moult merde. Une espèce de truc spectro. Cauchemar vivant. Ça fait penser un peu aux araignées, là, l'espèce d'araignée dans... sur Guild Wars 1, dans la fissure. Non, c'est pas la fissure, c'est l'autre monde. Hop là, easy, easy. Les amis, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode pour la suite de ce let's play et la fin du donjon tonnel. Bisous à tous, c'était Kaz, amusez-vous bien.